États-Unis ont 240 années d'indépendance. Ils ont une constitution, certes, mais la constitution a 27 amendements qui votent sous lui. Il y a plus que 27 amendements qui votent pour. Mm-hmm. Mais il y a 27 qui votent. Lors de diviser 240 par 27, le bon moyen de 8.33, ça veut dire chaque 8 ans, les mutations sociales, les progrès techniques, les progrès scientifiques obligés que vous ajustez loi mère là. Elle dit si, et c'est nous pas jamais voulu vivre sous modèle. Elle dit si nos pays côté n'a pas les pays ça c'est lui même qui c'est démocratie, c'est lui même qui modèle pour démocratie sur la terre, lui même mais comment lui faire réajustement dans la constitution parle. Nous même nous font constitution qui était faite sous en pile émotion en 1987 et 29 mars 1987 par référendum nous votons. Et constitution tout nous connaît son constitution qui était faite sous en pile émotion. T'es une loi qui dit ma coupe pas la donne, c'est loi ça en masse qui fait mon sortir à le voter. Mais est-ce que t'es un monde qui était campé pour analyser paramètres vrai fondement constitution ça? Moi pas quoi ça. Je dis un amendement qui fait en 2010 sous constitution. Est-ce que il fait dans le respect, ok, de la loi? Moi, je vais répondre. Parce que pour moi, je crois dans l'allégation, je crois dans les faits. Je ne peux pas avoir pouvoir politique dans mes mains pour m'aller, pour me comprendre, pour me garder. Si je me dis un texte, une falsification qui est faite sur vous, je ne peux pas avoir. Mais moi-même, ma clé, je me fais un deal dans la campagne. Nous pouvons mettre sous pied les états généraux sectoriels de la nation. Pas dit les états généraux sectoriels. Il est clair moins que Moussa de pilsification sectorielle là. Elle dit nous pas le faire, nous pas entrer dans secteur. Pour chaque monde pour dire Jean Blanc dit là on parle pour porter input yo. Pour nous garder qu'on y a, là nous faut faire état généraux si c'est 6 mois la durée, si c'est 1 an, elle prend le temps qu'il faut. Maintenant à partir de l'état généraux ça, nous faisons constat parce que nous dit le pays d'Haïti aujourd'hui son consensus que nous lui demandé. Trois groupes, on dit on n'est pas qu'à pour le pouvoir et pour qu'on est parce que c'est le peuple là qui boit le pouvoir et pour son matador superbe ou son tour gondé ou qu'a fait tout sauver. Moi-même, je dis c'est pour nous venir voir le rôle d'inclusion ça qui pour permettre tout le monde, tout secteur dans la société à dire quelle est la société civile, la presse, la diaspora qui est important parce que moi-même, toujours dit diaspora a un devoir, mais elle va avoir un droit. Côté droit économique diaspora, côté droit culturel, côté droit politique, côté droit social. Ça veut dire, un monde qui est haïtien, là, il est dans un pays étranger, il travaille, et puis je dis, les gens comme lui, il n'y a pas même mal. Il est rangé, il va pour faire investissement dans le pays. Ça veut dire, moi, je dis ça. Il faut tout secteur participer dans l'État généraux, et puis pour nous venir gagner. Contexte avec des experts. Il y a un problème que nous avons aujourd'hui, qui est un pile haïtien. Diaspora, ça a gagné en tout. Citoyens ont vivre l'île, c'est que son sécurité. Dans vision, qui est la meilleure formule ou est question insécurité qui a gagné dans le pays que tu es capable d'adresser? Premièrement, nous avons effectif, nous qui dans la police, là, nous avons une population de 11 millions de monde et pour 15 000, disons 14 000 policiers pour 11 millions de monde, nous avons un problème, nous fondamentalement doublé effectif ça. Nous avons des contraintes budgétaires, certes, mais nous voyons que la police a fait plus d'efforts. C'est-à-dire chaque année, nous avons presque une ou deux promotions qui augmentent dans la police. Là. Ça, c'est le premier problème. Non, et nous, l'insécurité, hein, c'est dans la ville. Là, on a parlé d'insécurité, ça veut dire des violences qui font sur le monde. C'est dans la grande ville. Plus pour presse, nous, que son ville qui a un pile problème d'insécurité sur lui. Mais, je dis, je ne vais pas me dédouaner nous-mêmes Haïti pour nous dire que c'est nous-mêmes qui a plus de sécurité dans le Caraïbes. Mais ce n'est pas nous qui avons mal. Ça veut dire, là, nous regardons. Regardez l'indice, ce n'est pas Haïti qui est mal dans un pays qui a une sécurité dans le Caraïbe. Mais ce n'est pas que nous-mêmes, nous ne sommes pas chita pour ne pas travailler, pour ne pas avoir satisfaction dans ça. Nous ne sommes pas mettre plus de technologie dans la police. Là. Parce que le premier problème que les policiers ont, c'est que nous, par exemple,
un policier bon bail qui fait un point de CPJ, est-ce que des CPJ ont une capacité technique pour enquête la mener, ça veut dire long on est un monde pour joindre monde normalement dans pile exploit que monsieur fait dans pile. Est-ce qu'on peut encourager par exemple pour chaque citoyen gain 11 âmes bah quoi la constitution prévoit ou bien âmes qui gagnent déjà qui en circulation qui sont en train de faire pour ça qui légal ou rentrer ou récupérer yo. Non, mais même, je dis ça, ça la loi dit, je respecte. La Constitution dit comment pour un citoyen et mes âmes. Depuis que citoyen respecte ça, c'est pour les mes âmes, parce que la Constitution dit ça, c'est pas moi, c'est la loi. Mais normalement, toutes les âmes légales, tout, nous allons faire au bébé. Faut la police, moi, dit ça, en collaboration, service d'intelligence, là. Je vous dis, qui, nous, qui ça a passé. Nous pas un service d'intelligence réel dans le pays. Ça va faire pour ça ou même nous pas li. Nous pas renforcer parce que c'est normal. On croit que notre budget a gagné comme ça. Mais est-ce que comme là aller dans ça réellement nous pas le travail pour nous connaître. Non, ça nous connaît c'est que son l'argent qui souvent a désaffecté sorti dans tel secteur là non l'autre sont pas faire même pour lui. Nous pas respecter la loi. Nous pas voir ça la loi dit en matière de service d'intelligence qui s'allie et puis là ça pour nous respecter la loi pour que le service d'intelligence là il marche parce que un bon exemple le tenir l'armée d'Haïti on prend un chef section bah la passer dans section hier yeah, demain matin il est en sous dans quartier général sous bureau colonel ou général qui est responsable ça comment il te fait arriver c'est pas de côté même dernier téléphone de télégramme qui est rien. Je dis, regardez sa technologie, je le dis. En temps réel, on prend WhatsApp, qui sont merveilles. Ça veut dire, non seulement WhatsApp, là, il faut voir ça qui passe, mais il y a du tout. Non seulement il y a un message texte, il y a un message vocal. Ça veut dire, si nous prenons technologie, nous mettons au service de la sécurité nationale. Combien de kilomètres carrés Haïti gagne? C'est 27 750 kilomètres carrés. Elle dit si nous gagnons 27 750 kilomètres carrés. Non, mais là, même, on va trop loin. C'est le. Je dis là. Tellement là. Je dis, et lorsque tu tue un monde sous champ de Mars, et puis enquête sur champ de Mars, c'est tout pris en 5 quartiers général là. Pour ne pas dire c'est la base quartier général là, palais national, en fait, c'est sous champ de Mars en tout. Mais, monde tue un monde sous champ de Mars en tout temps. Mais c'est World Technology, c'est ça me fait dire là. Moi je parle de World Technology dans enquête policière. Parce que nous n'avons pas besoin de là. Mais nous connaissons que nous avons des programmes, des équipements sophistiqués. Moi même je voyage mal dans le pays. Moi, on paye tant pour Israël, par exemple. On a un café coup. On a un coup. C'était quoi avant hier, nous avons un bus qui explosait, mais nous avons avec mon nom tout le monde, il explosait, le bus là, son kamikaze, il fait un coup. Mais cette histoire de pour mon campé dans le coin là où pour tuer mon. Bon, comment c'est là, il vient dans la salle ça. Il dit, ville là, il contrôle, c'est écran campé qui contrôle ville là. Toute ville là, il y a des jeunes capteurs 24 sur 24, qui contrôlent toute ville là. C'est pour une question de où camper pour faire ce problème, ou font barrer nos zones, automatiquement qui retiquent. Et policiers qui responsable enquête là, il y a information, il y a information en temps réel. Moi quoi dans modernité ou quoi dans technologie et je dis là ça pas représenter grand chose pour un pile haïtien mais dans l'autre pays question transport il est important gain candidat qui font faire campagne sous ça. Ça n'a pas observé en Haïti aujourd'hui, c'est monde qui sans problème à prendre ça et les cesso dans camionnette, fille a pchita sous garçon, garçon a pchita sous fille. C'est des petits marchands, par exemple, avec panier sous tête, qui a bousculé pendant camionnette a couru pour y aller monter pour prendre place. Ce qui montre que question de transport en commun n'est pas existé. Beaucoup arrivent dans le transport en commun capable d'exister, mais le transport public, là, je dis encore, il y a un problème. Nous ne pouvons pas négliger la question de motocyclette là, pendant que nous parlons de transport dans le pays d'Haïti. Qui ça, Jovenel Moïse promettre en termes de modernisation de ce secteur. Il y a deux secteurs, pendant la campagne, je dis bien peut-être 5 ou 6 qui transversal. Par exemple, on parle d'éducation, santé, environnement, et puis deux clés pour moi, c'est énergie, l'autre là c'est communication. Le transport, c'est une communication. Ça veut dire qu'on parle de communication, on parle de communication terrestre, communication aérienne, communication ferroviaire, communication maritime, numérique. Ça veut dire, est-ce que il y a des secteurs dans le pays qui préambule ou jamais, même co-écrit. Par exemple, secteur transport. Chaque temps qu'on a parlé de transport en Haïti, c'est hier, nous parlons.
nous tout le monde connaît qu'il y a 30 qu'on nous dit Saint-Marc pour entrer au Port-au-Prince. Tout le monde connaît qu'il y a 30 qu'on nous dit Baron qui entre au Cap Haïtien. Tout le monde connaît que système ferroviaire là, et ceci n'a pas parlé de avant l'occupation américaine, avait dit qu'ils sont là il y a plus que 100 ans. Et qui s'est passé? Tout ça, c'est une vision politique qui pour elle. Ça veut dire aujourd'hui un transport public que n'a pas l'air. Son politique publique pour lier. Son politique de transport. Parce qu'on n'a pas qu'à une ville. Je vais prendre l'exemple de la ville de Port-au-Prince et à Ébanlieu, agglomération, commune, avoisinante. Au point Carrefour, au point Pétionville, au point Tabac, au point Delma, au point Cité-Soleil. Il y a 5 communes qui sont censées être tout près et bassin Port-au-Prince là. Qui politique qui fait pour commune ça? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des routes périphériques que j'aime réfléchir à lui? On prend exemple, l'an mais, si l'heure pour sortir pour au prince pour le carrefour, est-ce que j'aime bien des gens qui réfléchissent, qui dit que qu'on peut employer un système ferry, par exemple, pour décongestionner route carrefour? Est-ce que nous parlons de système. Bah nous annonce pas là, lui-même. Bah nous plan pour là. Non, mais ça le va lier. Ça va lier. Le map du ou qui vous côté moi même on parle de non parce que c'est pas un piège. Et souvent il y a des candidats là au fin rivé et au fin élu et tout, je dis ah non, même pas promettre ça, pas dire moi faire ceci, moi faire cela, ou bien pas même faire promesse du tout. Je dis là avec Jovenel Moïse président, comme par contre qui l'installation a fait 6 et 7 février ou bien 6 non, c'est 7 parce que c'est 20 novembre là. Bon, nous ne connaissons pas, voilà. Jusqu'à présent. Oui. Qui ça, Jovenel Moïse, pour mettre lui-même au pral moderniser le secteur? Moi, je me dis le clair. Je me dis un candidat qui ne va jamais camper pour ni bailler mentir, ni voyer monter. Je dis nous un secteur qui est le transport préambulé pour qu'on écrit. Et puis le candidat va dire, on va le faire en téléphérique. Par exemple, pour faire un téléphérique pour sortir Pétionville, pour aller la ville. Le candidat va dire, on va le faire train pour sortir Carrefour, pour revoir le prince. Moi, je me dis, nous parlons Chita. Pour nous faire plein de transports urbains pays, premièrement. Deuxièmement, pour nous travailler dans ça, parce que le transport est important dans transporter les gens. Ça, c'est la sécurité routière en Haïti qui n'a pas existé du tout. Ça veut dire, ou sur une route, ou Noël, par exemple, moi-même, matin, c'est à 3h du matin, je suis au Cap, je suis au Cap, il était 10h du soir. Mais, ou fait presque 250 km de route, c'est-à-dire sous un problème ou t'as un accident sur route là, en termes de sécurité routière, pas moyen. Elle avait dit, ça, c'est des bagages, nous ne pouvons pas l'adresser, nous ne pouvons pas le travail, nous ne pouvons pas le promettre, pour publiquement là, pour me camper, pour me dire que, pour me devant caméra, à côté, il y a des millions de monde qui regardent, qui m'attendent, pour me dire, bon, nous pouvons le faire, un chemin de fer, ce qui est organe pour venir pour au prince. Nous pouvons le travail avec des experts, parce que j'aime dire là, dans la structure, le cabinet moyen, on dit que on parle le cabinet particulier du président, un cabinet technique, un laboratoire de réflexion qui parle des jeunes, et puis un cabinet politique. Soit fait de motocyclette. Le cabinet technique, ça nous parle pour ces réflexions, parce que motocyclette sont phénomène lié. Qui prend une motocyclette 125 te qu'on longtemps? Moi-même, quand je parle de la maison, le papa m'a acheté un CT 125. C'est un gros causé pour motocyclette et Honda. Mais qui en font comparaison? On reçoit 125 japonais, je vous dis, qui a 25 6 000 dollars américains. Motocyclette chinoise, c'est 700 dollars allemands. On dit 5 6 000 dollars haïtiens. Américains. Kounia. On motocyclette 125 Honda, qui a 25 6 000 dollars. Ça veut dire. Et puis, motocyclette japonais, et l'Ivan Prisa. Un motocyclette chinoise, c'est 700 800 dollars allemands. Ça veut dire, l'on compare, pour qui ça a fait? Ou pas qu'un bon phénomène comme ça pour lever encore, nous retournons à faire pour nous légiférer souvent parce que nous pas qu'à quitter technologie avec la science à pas avancer et puis nous-mêmes nous étions campés, nous figés. Est-ce que en 2009 t'as eu WhatsApp? Non, je dis un banque qui loi qui monde qui j'aime parler de ça qui dit faut nous légiférer sur WhatsApp là parce que je dis on nous envoie un message sur WhatsApp. Ou pas qu'à dire ni. D'ailleurs, pour nous, nous peut, quel que soit son monde besoin d'un deal, salve-le. Mais c'est pour ça encore nous retourner dans les états généraux sectoriels de la nation. Problème motocyclette, là, nous sommes capables d'adresser ponctuellement au gouvernement. Moi, on a fini président ou quitté le pouvoir et puis motocyclette là, il était en gangrène pour le pays. Maintenant, il faut nous adresser
je nous dis, un amendement que nous avons parlé, nous, tout que nous souhaitons, tout brasser l'idée ça, transport et communication, sécurité, nous allons le faire parce que je dis, nous sommes temps moderne. Dans la Constitution, nous n'avons pas même une possibilité pour nous parler de technologie. C'est-à-dire, nous qui va le miser passer pour faire du signature électronique, un seul bagage dans la technologie, signature électronique. C'est-à-dire, faut tout ça n'a pas l'air là, faut rentrer dans le cadre de la loi. Nous ne pouvons pas dire que nous avons monté, nous allons dire que nous ne pouvons pas le faire comme président, et puis barrer à la campagne devant ou pas. Nous ne pouvons pas le faire. Et d'Haïti, Jovenel Moïse fait face à un bon problème. Par exemple, il a parlé de trois personnes qui sont dans le pays, je dis, et n'a pas monté. Mon fait autant de petites couvées. Allons parler de mesdames. Yo. Et est-ce que pour contrôler souvent l'explosion démographique, est-ce que Jovenel Moïse entend agir sous contrôle de naissance s'il est devenu président de la République, ou bien laisser Mounio avec liberté yo, pour yo faire autant de petites que vous voulez? Croissance démographique, là, c'est maintenant un souci. Nous. D'ailleurs, nous faisons comparer avec le contrôle de naissance là même. Pour nous dire que nous même pas là avec le peuple, là, pour nous dire que petite c'est bien malheureux, ça sont proverbes longtemps. Je vous dis, petite c'est misère malheureux. Lorsqu'on fait 10 timoun que vous voyez de l'école, d'ailleurs, en province, c'est comme ça, ça fait. Ou même qu'on est ces garçons, ils ont éduqué, filles, ils ont quitté. Moi-même, je dis, nous pas le travail. Pour premièrement pour nous conscientiser mon yo, pour nous faire faire un monde qui vient deux petites qui vient trois petites, regardez comment réaliser ville, un monde qui vient dix petites pour nous commencer à faire comparaison, pour nous commencer à comprendre que je dis yo les gens pouvoir pour le faire petit, mais leur bon pouvoir faut comprendre côté yo bon pouvoir yo pas bon pouvoir pour faire sauver ou le pouvoir pour faire petit, mais en fait fuck nous par le travail avec les des travailleurs sociaux pour nous capable de réfléchir à la famille ça. Parce que le phénomène ça a dérivé plus en province qu'on y a que dans la ville. Parce que la ville, avec mesdames qui commencent à intégrer la société, ils commencent à ralentir dans la petite. Parce que moi, dans Port-au-Prince, qu'on y a de jeunes dames. Pour les vieux, maximum, c'est deux timons. Ils ne sont pas privés. Ils avaient dit, si tendance ça nous est d'ailleurs, nous est que contrôle naissance sans commencer en réalité tout parce que il y a la baisse, il n'y a pas la hausse. Il y a la baisse, on a comparé dernier. Oui, 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 mais qui sont pas le faire même pour que cette tendance soit maintenue. Est-ce que vous parlez des incentives ou bien vous parlez encourager les gens à faire moins petites ou bien les gens ont droit à faire 5, 10, 10, 15 petites? Encore, je dis, vous ne pouvez pas arrêter pour camper comme président pour un décret ou bien pour arrêter pour dire que mon pari doit faire petit, c'est pas ça. Nous pas le travail, moi je pense que communication c'est mettre moi dans ce sens ça. Nous avons un problème de communication sociale, de communication politique dans le pays. Nous dit que la presse, là, je suis dans nos studios en télévision là, n'a pas les pays. Mais voilà la presse là en général, c'est ça, c'est pour aider politique là tout qui pour permettre message, ça veut dire communication sociale qui besoin fait yo, nous faire et arriver à atteindre mieux juste dans dernier point de pays hein. Ça est extrêmement important pour nous parce que l'homme en campé en province, bon campé monde qui dit c'est parce que pas de travail, il y a monde qui dit c'est blague, chaque monde parle avec une thèse qui dit que mais pour qui ça mon vont plus petit le soir va yo va écouter pour aller divertir c'est mon cabane monter. Non, moi même moi crois que ça c'est des faux problèmes. Faut nous aller pour une chita pour gagner des travailleurs sociaux qui se spécialisent sur eux. Parce que moi-même, je connais la science. Moi, je dis, c'est même gentil pour la ville dans le sud qui se crase là. Ou pas qu'à dire que le une ville pour reconstruire son parquet, on travaille d'aménagement du territoire. Je viens sur ce point ça, sur ce qui passe dans le grand sud, ce qui passe dans le nord. Et dans un instant, on m'a posé une question politique rapidement avec vous, bien que le régime de FMC, pour m'aller vite, parce que le a passé sous nous. Qui a venu au PHTK avec Jovenel Moïse, président de la République, quand nous connaissons qu'en général, chaque président qui monte sous bannière en parti, après quelques mois, il a réfléchi pour former propre parti politique par. Quel est l'avenir du PHTK? Moi, j'ai rien, disons là, presque 10 mois, de février à jeudi, hein,
mon leadership participatif que nous-mêmes nous mettons sous pied en deux parties. D'ailleurs, il faut me dire ça. Parti à Saint-Étienne, je vous dis, c'est pour un parti politique figé, son plateforme, c'est ça, on a élargi. Donc, il y a un travail qui commence à faire. Travail de restructuration, il y a un travail pour que parti politique, ça, c'est un parti politique qui est plus moderne que le pays. Par exemple,